Je m'appelle Christine Bérubé-Martin. Je viens de Maria. Gascapéguiag. Ouais. Je suis née à Maria. Ouais. J'étudie comme pour être infirmière en ce moment. Mais le pourquoi que j'étudie pour être infirmière, c'est parce que je crois que j'ai beaucoup le goût de l'aventure. Donc, je me considère comme quelqu'un qui aime beaucoup passer son temps à explorer, puis à se pousser, à se défier, à aller au-dessus des limites que je crois que moi, en tant que jeune fille, j'avais. J'essaie tout le temps d'aller un peu plus à la quête de quelque chose. Là. Ça me tente pas de fitter dans un moule, ça me tente pas d'être l'infirmière typique qui va travailler dans un hôpital, qui va faire de l'overtime tout le temps. Je me vois plus comme une personne qui va être comme une infirmière de terrain, qui va réagir dans une situation, qui va être là sur le moment, puis être capable de m'organiser avec ce que je vais avoir avec moi dans mon environnement. T'sais. Pas avoir à dépendre de tout ce qu'on dépend de aujourd'hui, tu sais. Une fille de maison. Je passerais ma vie dehors, là, c'est pas compliqué. Tu sais, il y a des moments où oui, j'aime ça être tranquille à la maison, mais c'est très rare. Comme là, c'est le mode ski là, qui embarque, là, le mode snowboard. Là. Mais tu sais, moi, snowboard, c'est pas juste faire le snow, là, c'est l'exploration. Puis juste passer une journée dehors, pour moi, c'est toute l'or du monde. Là. Peu importe les conditions, peu importe s'il mouille, qu'il fasse froid, qu'il vente, je vais m'équiper en conséquence. On dirait que ben, depuis que ma mère est décédée aussi, on dirait que j'ai tout le temps des petites ailes là, quelque part. Là, t'sais, j'ai tout le temps le goût de m'envoler par moi-même. Pis... Elle a fait son premier gros voyage quand elle a su qu'elle avait le cancer. Là, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, justement, qu'elle a tout le temps voulu faire. Juste le fait qu'elle a fait ça, comme c'est un peu plate à dire, mais dans ses derniers mois à vivre, ben, je crois que moi, ça m'a fait réaliser que c'est pas... plus tard, tu sais, faut pas j'attendre à plus tard pour faire ce que j'ai le goût de faire, là, tu sais, c'est là que ça se passe, tu sais, on parle de retraite, puis de pension, puis ci, puis ça, moi, je suis comme, non, j'ai pas besoin de cette sécurité-là, je veux dire, c'est aujourd'hui qu'il faut que je vive, puis c'est aujourd'hui qu'il faut que j'aille à la conquête de mes rêves, si j'ai le goût de jouer dehors, je vais le faire, puis tu sais, je vais y aller avec mes moyens du bord, puis j'ai pas besoin d'avoir le gros salaire non plus, parce que je vis avec peu.
Je pense que je peux dire que j'avais quand même des problèmes de consommation. Je pouvais passer du mercredi au dimanche, là, comme tout le temps dans la boisson. Puis, quand j'étais trop sous l'effet de l'alcool, ben là, le lendemain, mettons, je me réveillais avec du speed, puis là, je repartais le soir. Puis, tu sais, ça a été ça quand même de 17 à 21, 22 ans, là, mettons. Là, okay. Dans mes années de cégep, là, mettons. Là. Compenses-tu ça? T'as-tu créé une addiction? Compenses-tu? Avec le sport? Ouais. Ben, c'est sûr. C'est sûr que j'ai tout compensé ça. Aujourd'hui, tu sais, l'énergie que j'ai, c'est sûr, je m'entoure de mieux, tu sais, de choses un peu mieux aussi. Puis, tu sais, j'ai fait comme la paix avec mon passé. Il y a des choses que je me suis reculée, puis que j'ai pensé à, puis que, tu sais, je passe beaucoup de temps toute seule aussi, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu comprends aussi des émotions. C'est toi qui décides de les vivre, là, tu sais, puis c'est toi qu'il faut qu'il les gère de la bonne façon. Mais, tu sais, c'est pas. C'est pas un coping skill qui vient de même non plus. Là. Fait que, tu sais, moi, avant, quand je vivais de la colère ou de la frustration ou de la tristesse, ben, j'arrivais le soir, puis je commençais à prendre un verre ou, tu sais. Mais aujourd'hui, au lieu de faire ça, ben, il faut que je compense quelque chose, là, clairement, là, tu sais. Si j'ai eu une mauvaise journée, ben, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon chien, puis let's go, on s'en va en bike ou on s'en va courir. C'est moins destructeur, clairement, là, tu sais. Puis si, au contraire, c'est que ça apporte tellement de bien, là, je veux dire. Moi, j'ai appris à, justement à compenser avec ça, tu sais, à juste prendre les énergies positives qui viennent de la nature, puis qui viennent du dehors, puis qui viennent bien, de l'activité physique aussi, là. Parce que je carbure à ça aujourd'hui, là. Mais mon chien, il s'appelle Nanook. Puis là, il est rendu à 1 an, 3 mois. La place qu'il prend dans ma vie. Là. En fait, lui, il est arrivé dans ma vie le 22 septembre 2019. Ça a été l'amour, c'était le coup de foudre quand j'ai rencontré ce petit chien-là. Parce que quand j'ai dit à la fille, j'arrive, laisse tes chiens dans leur enclos, puis... quand je vais arriver, t'es laisseras lousse. Ben, c'est ça qu'elle a fait. Puis quand je suis arrivée pour approcher les chiens, ben, ils ont comme tout. C'est le camp ici, à ma droite, à part Nano qui est resté assis là, puis il me regardait. Ben là, écoute, c'est une fille. Ah, viens me voir. Fait que, tu sais, c'est vraiment lui qui m'a comme choisi. Puis, écoute, je le traîne partout, là. Tu sais, il vient avec moi dans tout, pas mal toutes mes aventures, dans toutes mes trips. C'est réconfortant d'avoir un chien qui est loyal comme ça. Puis c'est mon petit partner, là. J'aime ça le traîner partout. Il y a comme une place réservée ici pour moi, mais pour le moment, on dirait que j'ai besoin d'aller voir tout ce que j'ai besoin de voir au Yukon. Parce que ici, ce que je trouve vraiment cool, la Gaspésie, c'est qu'on a tout le Canada au complet dans une petite péninsule, tu sais. On a les montagnes, on a les rivières, on a la mer, on a la chasse, on a la pêche, on a le ski, on a le vélo, on a tout. Mais en ayant traversé le Canada, puis même le BC, puis l'Alberta, je pense qu'au Yukon, c'est là que j'ai réussi à vraiment plus trouver le même genre d'aspect que j'ai ici, tu sais. Mais c'est ça, j'ai vraiment le goût d'aller comme voir la qualité de la neige là-bas, les grosses montagnes. Les grosses montagnes, ça m'a tout le temps attiré. C'est un ouf, là, que je fais là. C'est quoi, là, c'est dessiné, ça? Bien, ça fait longtemps que j'y pense. Ça mijote dans ma tête depuis... Depuis la première fois que je suis allée au Yukon, là, je dirais que je suis revenue et j'ai laissé mon cœur là-bas. Et ouais, les montagnes, ils m'appellent depuis longtemps, puis les montagnes-là, je sais pas, ils ont dit quelque chose. Fait que. C'est ça. Là, on dirait que. Avec toute l'histoire de qu'est-ce qui se passe dans le monde, ben, je me dis, j'aime mieux aller me confiner là-bas que de me confiner ici. Fait que c'est ça, ça mijote au moins depuis 2018 dans ma tête, mais ça se décide depuis le mois d'octobre. Là.
C'est ça. J'ai le goût d'aller vivre une grosse aventure. Puis de... C'est ça, là, comme ma petite quête personnelle, je pense que... Je vais peut-être bien répondre à des questions en passant à un hiver là-bas. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est vraiment c'est un feeling de cœur. Puis ça fait un bout que je me retiens ici au Québec parce que je finissais mon cours en soins infirmiers. Mais là, écoute, la vie fait en sorte que c'est juste en stand-by. Puis le diplôme, il va m'attendre. J'ai la chance, j'ai l'opportunité d'aller là-bas. Puis tu sais, j'ai une de mes amies qui est là aussi, fait que je suis pas nécessairement tout seul. Ça te tente pas vraiment d'être infirmière présentement, anyway? En ce moment, je pense pas, là. Non. Non, pas vraiment. Non. Parce que, tu sais, comme que je les expliquais tantôt, juste tant qu'à prendre soin des gens, puis moi-même être épuisée, puis botcher les soins, puis de pas être capable de s'occuper d'eux pleinement comme que je voudrais, ben tant qu'à ça, je vais faire mon bout de chemin autrement, puis... Ce n'est que partie remise, écoute. Alors, anyway, j'ai tout le temps dit, là, j'aurais jamais une vie linéaire. J'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas puis de vivre un peu le lifestyle du Yukon. Mais je sais qu'il y a tout le temps quelque chose qui va me réattirer ici. Là. Tu sais, je dis, on dirait que j'ai comme un sentiment de devoir aussi, je pense, avec la communauté autochtone à Gascapé-Guiag. Tu sais, c'est sûr que je vais finir comme infirmière quelconque ou... travailler sur la réserve d'une certaine façon avec la communauté. Parce que j'ai l'impression que ma mère, elle avait commencé quelque chose il y a 20 ans de ça, mais qu'elle n'a pas pu finir ce qu'elle voulait. T'sais, elle voulait faire une maison pour les personnes âgées à Gascapé-Guiag, puis ça s'est jamais fait. C'est compliqué aussi, c'est beaucoup de procédures, c'est un tas d'affaires, c'est engager plein de gens, je veux pas, là, pour travailler dans un centre. Mais... Moi, je pense que je vais aller me prendre une expérience de vie un peu partout, puis éventuellement, mais ça serait ça mon rêve, de revenir comme m'installer ici, puis c'est ça.